Voyelle, voyelle, consonne. AEM, Agence européenne des médicaments. La directrice exécutive de cette agence, ex-lobbyiste soupçonnée de conflit d'intérêts. Âme, quel joli mot. AME, aide médicale de l'État destinée aux personnes en situation irrégulière. Une sénatrice du Var fait adopter un amendement au projet de loi sur l'immigration. Suppression de l'AME au profit de soins uniquement pour les cas les plus graves. Toute ressemblance avec des faits réels est totalement volontaire. Et la liste non exhaustive. Trois petites lettres anodines qui servent à décrire une institution. Ou des mesures préventives, certains y voient une dérive, aide immigration. Quand de plus près on regarde, y a à manger et à boire. C'est pas toujours joli, intérêt et conflit, député et lobby, la peur de l'immigré, qu'on veut dissuader, tu ne seras pas soigné. Oh là là là, quel système, l'argent ou la haine, rarement l'amour. Peuple politique, un abîme, pas de poème, pas de rime dans leurs beaux discours. Avec des goûts de finance, de méfiance et de rance, sont pourtant très jolies, mais elles ont aussi comme un goût de moisi. C'est soit le clan du pognon ou xénophobie fleuron et unique raison. Si je pouvais faire un rêve, mon a dream I have, un rêve qui fait du bien, il serait grand temps que commence le temps de l'espérance de beaux lendemains. Trois petites lettres en musique, oui, prenons le risque d'un bel avenir. Reprenons la mise en scène, oui, ça vaut la peine, bonheur en ligne de mire. Changeons l'ordre de ces lettres, elles laissent apparaître un début d'espoir. Allez, faites pour l'exemple, toutes les deux ensemble, votre mea culpa.